Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous être bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening. Donc voilà. Donc j'avais dit qu'il y aurait un coffre de clan. Bah, vous voyez, hein, en fait, le précédent coffre de clan, je l'ai ouvert. Le problème, c'est que je pouvais pas parler, donc c'était pas intéressant. Donc je vais pas le mettre dans la vidéo. Et celui-là n'est pas débloqué. Mais j'avais trop envie d'ouvrir tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on espère, bah, c'est quand même une légendaire avec le coffre magique. Peut-être une légendaire avec les autres coffres. Si on a énormément de chance. Sinon, bah, quand même des épiques intéressantes. On va regarder ce qu'on a. Puis après, on peut faire quelques améliorations. Vu que j'ai 26 000, c'est pas dégueulasse, on va dire. Donc, clairement, si j'ai une légendaire, je veux soit l'électro-sorcier, soit le mineur. Voilà. La Nightwish, je l'ai testée pendant le défi. Honnêtement, elle m'a pas énormément plu. Donc, c'est pas ce que je voudrais avoir. Niveau épique, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise, bah voilà, enfin, j'utilise ce deck-là, donc armée de squelettes, ou alors ce deck-là, ça c'est pour le coffre de clan. Donc si je peux, ouais, bébé dragon et golem foudre, et bah armée de squelettes. Donc bah, vous voyez, là je pourrais en acheter. Je vais en acheter une, deux, trois, voilà, hop. Voilà, trois en plus, et ce, attendez, voilà. J'ai baissé un peu le son. C'est un peu mieux comme ça, je pense. Donc bon, c'est parti tout de suite avec le premier coffre gratuit. 3 quarts, donc pas de légendaire. À moins qu'on ait pas de gemme. Donc 83 or, 2 gemmes, une fournaise et 10 hordes de gargouilles. Deuxième coffre gratuit. 2 cartes, donc pas de légendaire. 83 or, un extracteur d'élixir et 10 esprits de glace. Je pense qu'on va commencer avec un petit coffre géant. Allez, c'est parti. Beaucoup d'or. 1960 d'or, nickel. Ouh, une épique, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un PK, 28 golems de glace, donc je pourrais le passer niveau 7, c'est pas mal. Et 251 archères, bon, ça j'en avais pas spécialement besoin, hein. C'est pas ce que j'utilise le plus. Bon, bah très bien. Je pense qu'on va ouvrir un deuxième et puis après on va ouvrir le coffre couronne. Je pense qu'on va faire ça. 1960 d'or, donc juste. Pareil qu'avant, et trois cartes pareilles, donc peut-être une épique ou une légendaire, je ne sais pas. Et c'était une épique, c'est un prince ténébreux. 28 cabanes, 2 gobelins et 251 mortiers, c'est nul. Bon, petit coffre à couronne. 500 d'or, 3 gemmes, 6 fléchettes, 9 mini, 7 mini pégas, 56 esprits de feu. Et un ballon, donc une épique. Bah, en fait, là, c'est pas mal. On a quand même des épiques. Bon, on n'a pas de légendaire, mais on a quand même des épiques. C'est quand même pas mal. Dernier coffre géant, c'est parti. 1782 or. C'est un peu mieux que la dernière. Non, c'est moins que la dernière fois, justement. Toujours une épique, le miroir. 25 croquettes. Donc, je pourrais passer niveau 7, mais je ne la joue pas du tout. Et 230 électrocutions. Ça, c'est plutôt pas mal, puisque j'utilise quand même régulièrement. Bon, voilà, je l'utilise pas, mais je veux dire. Bon, ce deck-là, c'est pas un deck que j'utilise, hein, je vous rassure. Mais sur ces deux-là, ouais, bah, je l'utilise pas pour une fois, mais peut-être le passer niveau 10, ça pourrait être ultra intéressant. Bon, petit coffre magique. On espère de la légendaire, si j'en ai jamais eu, j'espère vraiment en avoir une. Bon, après, on va peut-être faire un coffre, un combat de clan, je sais pas. On va dire coucou YouTube. Coucou YouTube. Voilà. Donc c'est parti, on espère vraiment la légendaire. C'est parti, attendez, attendez. Ouais, coffre. Donc, il y a 3 épiques, 21 rares. Ok. 3 épiques, 21 rares. C'est parti. 7 cartes, c'est pas mal. 10 gangs de gobelins, c'est pas du. C'est pas bien. Non, 26 bombardiers, faut plus. Faut plus. Non, c'est plus. Faut plus. C'est foutu. À moins qu'on ait toutes les rares. Je crois qu'on a toutes les communes là. Toutes les rares. Bah non, parce qu'il nous manque les épiques. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon. 3 Zarix, c'est nul. Bon, bah je crois que j'aurais bien perdu mon temps à économiser tous ces coffres. Parce que franchement, j'ai eu que des trucs nuls. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer? Prince ténébreux. Allez, go. Prince ténébreux. Le gel. On vous en aura quelques épiques niveau 4. C'est pas mal. Une carte que je joue quand même assez régulièrement. Bah, l'électruction. Bon, je préfère tous d'abord tous les mettre niveau 9. Donc, le gobelin que je joue quand même un petit peu. Les gobelins à lance. Et
Bah écoutez les petits squelettes. Voilà, comme ça on aura fait quelques améliorations. C'est pas trop mal. Ah oui, bah là je peux encore les améliorer, mais c'est trop cher. Ouais. Bah on va faire un petit combat et puis on va s'arrêter là. C'est parti. Me dites pas qu'il est en combat quand même. Parce que s'il est en combat, on pourra pas faire de combat de clan. Allez. Go. Combat de clan. Qu'est-ce que je pourrais demander comme carte en attendant? Bah une carte que joue le chevaucheur de cochon, clairement. Voilà. Bon, j'aimerais bien qu'il réponde assez vite. Ouais. Bon. Sinon, le pack opening, bon, c'est un pack opening gratuit. Bien évidemment. Mais bon, voilà, je suis un petit peu déçu quand même. Bon, si. Ouais, j'espère qu'il pourra répondre vite. Bah, il est parti. Ok. Bon, c'est fait troll, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous montre un site où vous pouvez voir vos coffres. Voilà, donc simplement c'est facile. Vous tapez statsroyal.com et vous arrivez dessus. Donc ensuite vous rentrez votre URL, donc visible sur votre profil. Donc moi, bon, il est déjà rentré puisque bah, j'y vais. Il y a comment qui vais sur Stats Royal dans ma famille. Donc bon, voilà, quoi. C'est déjà pré-rentré. Au début, c'est pas pré-rentré. Donc ensuite, vous arrivez sur. S'il veut bien marcher. En plus, vous avez les stats. Vous avez sur votre profil. Donc, au début, il n'est pas créé. Donc, il faut faire refresh profil. Et il s'actualise pas tout seul. Donc, c'est pareil. À chaque fois que vous venez, vous faites refresh profil. Donc, vous attendez quelques secondes. Mais voilà. Donc, au début, ouais, il n'est pas créé. Vous devez faire refresh profil. Ou alors, vous fermez Stats Royal. Et vous retapez votre Stats Royal. Vous tapez votre URL. Et normalement, vous devrez trouver. Là, j'actualise juste le truc. Parce que vous voyez, hein. Dans deux coffres, c'est le coffre géant, c'est celui que j'ai. Donc non. Ok. Et donc là, ça a changé. Vous voyez. Donc, bon, là, victoire, victoire, défaite, victoire, défaite, défaite, victoire, 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 défaite, 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 victoire. Et puis voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus. Donc voilà. Alors là, vous avez tous vos coffres. Donc, je sais que dans 20 coffres, j'ai un coffre magique. Dans 60 coffres, coffre géant. Et bien après, ils affichent les principaux. Donc 242 coffres, coffre épique, 336 coffres, coffre légendaire. Donc vous savez que voilà, ces trois-là, les trois derniers, là je vous les ferai en pack opening. si je peux, parce que bon, c'est quand même assez chaud. Vers tout ça. Voilà, par contre, ça m'étonnerait qu'à chaque fois, je garde des coffres exprès pour faire un pack opening. Parce que bon, là j'avais envie, mais bon, pas tout le temps non plus. Et puis écoutez, bah voilà. En gros, c'est ça, voilà, c'est ça votre profil. Vous avez plein de trucs, donc bon, c'est pas ouf. Mes stats, hein, mes stats sont pas ouf, mais ça va. Je suis quand même pas non plus, c'est pas non plus horrible, on va dire. Voilà, bon, sinon, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, bien évidemment, à vous abonner. C'était ZTF. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde, bye bye.